Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va toujours travailler avec le Galaxy A3 2017 et on va travailler sur Android 6.0. Beaucoup de gens ont un smartphone qui tourne sous Android et n'ont malheureusement pas activé le OK Google. La preuve ici, OK Google ne fonctionne pas sur le smartphone. Ce qui peut être intéressant avec la commande OK Google, c'est que on va pouvoir l'utiliser n'importe où sur notre smartphone. Donc comme vous savez, j'aime partager et donc j'avais envie de vous faire partager cette petite astuce. Et donc pour activer la commande OK Google, il va falloir tout d'abord se rendre sur la zone d'édition. Recherchez Google. Recherchez Google. Je vous la mets donc en gros. Recherchez Google. On va donc avoir tout en haut à gauche un petit bouton qui s'appelle Accéder à Google Now. Accéder à Google Now. On va le valider. Le clavier est masqué. Flux. Une fois que on est rentré sur Google Now, on va revenir complètement en haut à gauche. Bouton menu. Et on va avoir un bouton qui s'appelle bouton menu. Bouton menu. On va le valider. Menu. Une fois ce bouton validé, on va arriver dans le menu de Google et ici on va rechercher gérer les recherches paramètres. Et ici donc on va rechercher les paramètres. Paramètres. On valide. Pour sélectionner notification lien affichage des éléments à la dossier 12. Une fois dans nos paramètres, on va rechercher langue de la recherche, voix, lien. On va rentrer à l'intérieur. Et maintenant, on a donc sur le deuxième choix langue par défaut, français, France, détecter OK Google. Détecter OK Google, on valide. Détecter OK Google, affichage des éléments à 7 sur 7. Une fois ceci fait, on va continuer à chercher donc dans notre fenêtre. Ici, on va pouvoir le faire à partir depuis l'application Google. Mais attention. Depuis n'importe quel écran, réagis à votre voix. Fonctionne lorsque l'écran est allumé ou lorsque l'appareil est en charge. Désactiver commutateur. Depuis n'importe quel écran, pour sélectionner, vous allez pouvoir dire OK Google. Et là, il va se lancer et vous allez pouvoir lancer une commande vocale telle que appeler un contact, lancer une navigation, envoyer un message sans toucher à votre écran. Donc on va lui demander d'activer ce fameux OK Google sur tous les écrans. Google. Une fois que l'on a lancé cet écran, on va rencontrer ici, vous allez voir. Lancer une recherche vocale depuis n'importe quel écran. Dites OK Google pour effectuer une recherche, même lorsque votre appareil est verrouillé ou que vous utilisez vos applications préférées. Bouton premier pas. Exercez votre téléphone à reconnaître votre voix. Pour que votre appareil réagisse au son de votre voix, vous devez enregistrer votre voix auprès de Google pour qu'elle puisse être reconnue. Il vous suffit de dire trois fois OK Google. Bouton commencer à enregistrer. Nous voici sur l'écran où on va étiqueter notre voix sur les serveurs de Google. On va tout simplement aller sur le bouton. Bouton commencer à enregistrer. Et c'est parti. On va tapoter deux fois. Écoute. OK Google. OK Google. OK Google. Activez la fonctionnalité voix vérifiée. Avec la fonctionnalité voix vérifiée, votre appareil reconnaît automatiquement votre voix et déverrouille l'appareil quand vous dites OK Google lorsque l'écran de verrouillage est activé. Ceci vous permet d'effectuer des actions vocales à partir de l'écran de verrouillage en énonçant des commandes telles que OK Google, règle le minuteur. Bouton oui, j'accepte. Vérification identité. Votre appareil peut désormais reconnaître votre voix et se déverrouiller lorsque vous dites OK Google si l'écran est allumé ou si l'appareil est en charge. Bouton terminé. Et on a donc terminé ici. Détecter OK Google, affichage des éléments à 7 sur 7. Voix vérifiée, autorisez le déverrouillage de votre appareil via le mot-clé OK Google lorsque le son correspond à votre modèle de voix. Activé, commutateur, écran d'accueil, page 1 sur 2 pages par défaut. Alors maintenant, on va pouvoir faire toutes les demandes avec le mot-clé n'importe où. Où on va se trouver avec notre téléphone, on va pouvoir lancer le mot-clé et envoyer un SMS, appeler un contact, ouvrir Internet, demander une navigation, etc.
J'espère que la vidéo vous plaît et que vous aurez envie d'activer OK Google. Appelez Google. Quelle heure est-il ? Il est 8h05. OK Google, quelle est la météo à Paris aujourd'hui ? Aujourd'hui, à Paris, il fera 12 degrés avec un ciel nuageux. OK Google, quelle est la distance entre Marseille et Paris ? La distance entre le lieu Marseille et le lieu Paris est de 774,9 km. Et si je referme la fenêtre, on va aller par en dessous les applis. Et même à ce moment-là, OK Google, quelle est la température demain à Toulouse ? Demain à Toulouse, les maximales atteindront 16 degrés et les minimales afficheront 4 degrés. Vu que l'on a coché notre case pour que le mot-clé fonctionne, même sur l'écran d'accueil, vous allez voir donc. Écran d'accueil, page 1 sur 2, page par défaut. Et même sur l'écran d'accueil, on va pouvoir lancer la commande. OK Google. Quelle est la température vendredi à Toulouse ? Vendredi à Toulouse, Google. Les maximales atteindront 14 degrés et les minimales afficheront 6 degrés. Voilà donc comment la petite astuce pour débloquer le mot-clé OK Google pour que vous puissiez lancer des commandes vocal n'importe où sur vos écrans de vos smartphones sous Android. Vous allez donc pouvoir lancer des appels, des SMS, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses avec ce mot-clé. J'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à la partager, à commenter si besoin, à mettre des gros pouces bleus sous la vidéo et surtout, pensez bien à vous abonner. Car aujourd'hui, on est plus de 1250 abonnés. C'est vraiment énorme. Merci à vous de me faire confiance. Je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine. Salut !